observons une tendance à la digitalisation globale depuis la période Covid, une forme d'accélération en tout cas au développement de tout ce qui est digital. Dans le domaine digital, je vous rappelle que nous avons toujours été en quelque sorte un peu précurseurs, puisque nous avons été la première compagnie à lancer un site marchand en 2008, à lancer son application mobile en 2012, également à créer la Digital Factory en 2017, etc. Nous offrons aujourd'hui la possibilité à tous nos clients et nos futurs clients le choix de souscrire à leur assurance en ligne et procéder au règlement s'ils le souhaitent en ligne. Et pour l'assurance automobile, se faire livrer leur attestation dans un délai très 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 court. Nous avons également élargi cette palette des services offerts dans le canal digital à tout ce qui est lié au relatif au sinistre, d'où la déclaration, au suivi, à de l'information sur les démarches liées à la gestion de son dossier sinistre, etc. À partir de janvier 2024, on ne va plus parler de carte verte papier. Le client pourra recevoir sa carte verte soit au niveau de de téléphone ou par mail. D'ailleurs, chez Sanlam, nous allons commencer à délivrer des cartes vertes dématérialisées dans les jours à venir. Alors, après la carte verte, la suite logique, c'est la dématérialisation de l'attestation d'assurance. Et c'est une initiative marché qui va permettre aux clients de souscrire à distance son contrat d'assurance sans avoir à se déplacer et sans attendre une livraison de l'attestation physique. Sanlam travaille avec ses intermédiaires pour anticiper cette évolution majeure et surtout saisir l'opportunité pour proposer des solutions innovantes à ses assurés.